Voilà, tapotez, tapotez, tapotez le live. La famille, vous allez bien? Donc, nous sommes jeudi aujourd'hui, 21 novembre 2024. Une semaine, jour pour jour, depuis l'enlèvement de Ousmane Nguele Diallo. Ok. Pour les abonnés de Facebook, les abonnés de TikTok, eux, hier, j'ai fait le live, je les ai expliqués. Mais pour vous, les abonnés de Facebook, il y a des gens qui m'appellent pour dire qu'ils ont vu une vidéo de moi où je pleure. Et vous pleurez. Ne pleurez pas. Hein? J'ai pas pleuré à cause de l'enlèvement d'Ousmane. Je ne vais pas pleurer parce que Ousmane a été enlevé. Voilà. J'étais sur TikTok. Vous savez, ceux qui coupent les lives, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils coupent. En fait, ce qui les arrange là, c'est ce qu'ils coupent en fait. Donc, ils ont coupé le live là où je pleurais sans couper. Ils n'ont pas commencé au début en fait. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pleuré? Je n'ai pas pleuré parce qu'ils ont enlevé Ousmane. Wallahi billahi tallahi, je ne vais pas pleurer parce qu'ils ont enlevé Ousmane. Billahi, sur le Saint-Coran, je ne vais pas pleurer. Je vous dis, cette fois-ci, là, la détermination que j'ai faite, seul Dieu sait. Je n'ai rien à foutre de l'arrestation d'Ousmane, du kidnapping d'Ousmane. Ousmane ne va pas, moi, me tuer. Je vais laisser mes deux enfants qui ont besoin de moi. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? On était sur TikTok, je parlais. Il y a un monsieur, il y avait des messieurs, mais il y a un monsieur qui est monté sur mon live. Il commence à parler. En fait, ce qui me fait mal, moi je sais combien de fois je me sacrifie, combien de fois je fais tout pour ne pas que Ousmane soit au merci des ennemis. Je fais tout pour ne pas que Ousmane... Eh non, si vous savez combien de fois je me battais pour ce petit, combien de fois, et je ne l'ai rien demandé, hein? Je ne l'ai pas demandé l'argent, je l'ai tout ce que je lui demande, c'est de m'écouter, me dire, ok, Toufa, pour une première fois, je t'écoute, pour une première fois, décide de ce que tu veux de ma vie, pour une première fois, Toufa, je t'écoute, fais ça, j'accepte. C'est tout ce que je demande aux petits. Depuis 2020, quand je quittais la Guinée pour les États-Unis, j'ai dit aux petits, cherche à quitter le pays. Depuis 2020, avant le coup d'État, après l'investiture, quand j'ai vu comment les choses s'est passées, j'ai quitté moi. J'ai quitté le 20 décembre 2020. Je l'ai dit, petit, je ne voulais pas quitter la Guinée, le laisser. Je voulais qu'il quitte le pays. Je dis, oh, tu n'as plus rien à faire. Il faut aller te chercher. Il faut aller faire des formations. Il faut aller te chercher des diplômes. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc, depuis 2020, je suis là en train de dire à ce petit de quitter le pays. Il m'a dit, non, il ne part pas. Il y a eu le coup d'État le 5 septembre. Je dis, cherche, je l'ai dit de rester dans un endroit calme. Je l'ai confié quelque part. Difficilement même ça. Et quand je l'ai confié, il appelait des gens, il recevait des gens là où il était caché. Je l'ai dit, dégage. J'ai dit à la personne qui l'a gardé, je dis, change-le de chez toi. Parce que là, il va faire venir des gens. Là, ce n'est plus, si c'est seulement à lui, on allait faire du mal. C'est Ousmane seulement on allait tuer. On n'allait pas toucher ta famille. Alhamdoulilah. Quelqu'un qui était censé se cacher jusqu'à ce qu'on va voir comment lui faire sortir du pays en 2021. Il est là où il est. Il appelait des gens. Il recevait des gens. Si vous savez combien de fois le petit là me donne de headache. Alors, depuis 2020, c'est que même mot. Écoute-moi, ouvre tes oreilles, accepte ce que je te dis pour une première fois. Quitte le pays,
Je ne quitte pas. Il est allé en prison. Avant qu'il ne parte en prison, j'ai parlé ce jour-là. On ne voulait pas qu'il parte. Les commissaires de l'aéroport à l'époque, avant qu'on ne les change, personne ne voulait que Ousmane soit arrêté. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, dis à Ousmane de monter, il y a une voiture pick-up. Là où, c'est que, comment je vais dire, aux pistes là-bas, là, de partir monter, de dire ça à Ousmane. J'étais en ligne avec Ousmane et mon petit frère qui est au Canada ici. J'ai dit ça à Ousmane au téléphone. Il me dit carrément, tout face deux choses. Soit je monte dans l'avion, je voyage, soit on m'arrête. On l'a arrêté. Donc il nous a fait subir tout ce qu'on a subi. Il m'a rendu folle sur le réseau ici. Ce que j'avais tellement, j'étais tellement dessus. J'ai pleuré, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas cette personne, l'aventure m'a changé. Vous savez, je vois pourquoi mon père ne voulait pas que ses enfants, les filles, sortent, qu'ils partent à l'étranger. Je vois, parce qu'une fois que tu es aventurière et tout, c'est que c'est fini quoi. Tu n'es plus cette personne, tu n'as plus de compassion aux gens. Tu n'es plus cette même personne que les gens pensaient en fait. C'est sûr que Ousmane est levé. Question. Je n'ai pas compris. Non, il n'est pas. Attends, je suis sur Facebook là. Toi qui parles ici. Les modos, s'il vous plaît, sur TikTok, venez, pardon, je vous en prie. Vous les bloquez parce que je suis plus concentrée ici sur et Facebook. Bloquez-moi les personnes qui viennent écrire de n'importe quoi. Ok. Attends, je te mets modo, tu bloques les gens. Attends. Oui. Non. Non, mais go. Ok. D'accord, ma femme. Attends, où sont les modos là? Arlo, tu dis que les gens insultent. Viens ici, je vais te... Quand un modo, modérateur. Il faut gérer. Modérateur. Ok. Il faut bloquer les gens qui insultent. Je m'a dit ma mode, Fatou, ma vie, c'est encore moi. Merci. Bloque les gens pour moi là-bas. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, c'est depuis 2020. 2021. Il est sorti, il est allé en prison, il est sorti en 2022, il est allé en Tunis. Je l'ai dit, ne rentre pas au pays, il reste, il dit jamais, il est retourné. Depuis ça, c'est les mêmes. Donc, moi, je n'ai rien à foutre de tout ce qui arrive. Moi, je ne peux pas être victime d'une personne deux fois. C'est pas moi. Hey, moi. Moi. Je la baraka de mes parents, ça c'est un. J'ai un bon cœur, ça c'est deux. Je sais ce que je veux dans ma vie, c'est toi. Et je sais faire la différence entre les personnes qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Donc, on ne peut pas m'avoir facilement. Et surtout, une personne qui m'a eu une fois, jamais de la vie, lui, va m'avoir une deuxième fois. Donc, j'ai pleuré. Écoutez, hein, donc vous qui pleurez là, à cause de moi, ne pleurez pas. Hein. Je n'ai pas pleuré parce qu'il a été enlevé. C'est ce qu'il mérite. Wallah, je n'ai pas pleuré. J'en ai rien à foutre parce que si, billahi, wallahi, tallahi, si ils pensent qu'ils vont moi m'intimider, vous allez revoir une autre Fatou que vous n'avez pas connue. Ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Moi, on me parle tout doucement. Voilà. Tout doucement. Et moi, je connais des gens du CNRD. Ils sont tous des menteurs. Je ne les ai jamais demandé grand chose. Quand on me parle, je dis, je ne vais pas soutenir un pouvoir qui m'a condamné. Ils m'ont dit, non, on va essayer. On va tout faire pour enlever cette condamnation. Qui, vous avez enlevé ça. Vous avez vu, je vous ai tous bloqués. Parce que vous ne pouvez rien apporter aux gens. Vous vous protégez vous-même. Vous cherchez amitié des gens pour ne pas que... On vous attaque ou d'ailleurs moi, beaucoup d'entre vous cherchent mon amitié pour ne même pas que Damaro vous attaque. C'est pas autre chose, hein. Je vous ai tous bloqués. Parce que
qui d'entre vous m'a parlé, je vous ai dit quoi? Je dis, tant que moi je suis condamné, je ne peux pas soutenir un pouvoir qui m'a condamné. Et ça, je ne vais jamais le faire. Je vous ai bloqué et ça, là, c'est à vie. Voilà. Il y a beaucoup d'entre vous, deux fois je viens, je sors, j'attaque Mamadi parce que vous mentez, que vous, vous me donnez de l'argent. Donc, dès que j'apprends ça, j'attaque Mamadi. Parce que si vous voulez, c'est pour aller dire à Mamadi, non, je gère Fatoumé. Qui, moi, peut me gérer? Qui peut me gérer? Qui? Qui peut, moi, me gérer? Oui, il y a une personne. Par exemple, oui, Lancé Touré. Lui, sincèrement, c'est quelqu'un, quand il me parle, je veux l'écouter, je peux l'écouter. Et lui, il sait. C'est à cause de lui qu'il y a, même certaines personnes de CNRD dont je citais les noms là. C'est à cause de Lancé, je vous ai connu. Sinon, on ne se connaît même pas. C'est à cause de Lancé que je me tais, je laisse certaines choses. J'ai connu Lancé, ma fille avait un an, Rayanatou. Là, elle a 11 ans, elle aura 12 ans. Donc, j'ai connu Lancé à 10 ans. Et c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi et toute ma famille. Lui, il ne peut pas me parler et puis je refuse. C'est à cause de lui que j'ai baissé beaucoup d'armes. Sinon, beaucoup de vous autres là, vous savez, vous êtes hypocrites même. Vous n'osez même pas dire, vous n'avez même pas accès, vous-même, vous n'avez même pas accès à Mamadi. Je vous ai dit quoi? Tant que je suis condamnée, je ne veux pas parler un mot bien de Mamadi. Et ça, c'est une vérité. Donc, vous, là, moi, j'en ai rien à foutre de vous. Je vous ai bloqué. Et je ne vais même pas chercher à savoir où est Ousmane. En fait, il y a sa sœur qui est dans le CNRD. J'en suis sûre, elle sait où est Ousmane. Parce que ton frère ne peut pas être arrêté. Arrêté, depuis jeudi. Et que ta famille, tu ne dis rien à ta famille. Et que quand ta famille t'appelle, tu dis, tu ne sais pas. Et que tu t'en fous, quoi. Pourtant, quand Ousmane était aux affaires, même tes voisins, quand ils avaient des problèmes, tu appelais Ousmane à la minute, Ousmane gérait. Donc, moi, je ne suis pas du CNRD. Je ne vais jamais m'enquérir de la situation de Ousmane avec les gens du CNRD. Je ferai tout sauf ça. Donc, voilà. J'en ai rien à foutre. Si vous pensez que parce que vous détenez Ousmane, que ça peut m'affecter, je ne suis plus cette Fatou. Sur la tombe de mon père, ça ne m'affecte plus. Pour deux raisons. Ça ne m'affecte pas parce que c'est ce que vous voulez et je ne vais jamais vous donner l'occasion là. Et ça ne m'affecte pas parce que personne ne peut échapper à son destin. C'est ça le destin de Ousmane. C'est son destin en fait. C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il mérite. Donc pour ceux qui pleurent là, ne pleurez pas, je n'ai pas pleuré. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pleuré ce jour-là sur TikTok. Je suis une personne très sensible. Mais le cas d'Ousmane, j'en ai rien à foutre. J'ai pleuré, pourquoi? Vous savez, quand tu te bats, quand tu fais tout pour ne pas que tu sois au merci des ennemis, quand tu fais tout pour ne pas que Yeke Idjoul Sagodi, quand tu fais tout pour ne pas que Irafindi Yahweh Sagwera, quand tu fais, parce que moi je me dis, quand ton frère de même mère ou ta soeur de même mère, Nanufindi Yahweh Sagora, quand lui il est au merci des ennemis, c'est que vous tous vous êtes au merci des ennemis. Donc moi je sais que rien ne peut m'atteindre. Là où je suis aujourd'hui, j'ai épargné tout. Rien ne peut m'arriver. Rien, sauf ce qui vient de ce Allah, le Tout-Puissant. Waïdoun, le Kumfayakuna, par lui, rien d'autre. Donc je fais tout pour que Ousmane voie clair, pour qu'il voie plus, pour qu'il comprenne les choses. Il ne veut pas comprendre. J'ai tout fait. Donc, quelqu'un depuis 2020, avant même le coup d'État, les mêmes dit, quelqu'un depuis 2020, tu dis à une personne, écoute-moi. Et il ne m'a pas écouté. Et je l'ai, de 2020 jusque-là, jusqu'avant qu'on l'arrête, parce que là, j'en ai rien à foutre, jusqu'avant qu'on l'arrête, je ne faisais que continuer à parler à Ousmane, en fait.
Je ne fais que chercher à cadrer. Ce que je suis derrière Ousmane, comme si même mes enfants ne me stressent pas. Les stress que, la manière dont je suis stressée à cause d'Ousmane, mes propres enfants ne m'ont jamais stressée comme ça. Personne, même moi, je dis, je ne me stresse pour personne. Même ma personne, je ne me stresse pas à cause de ma personne, je me stresse à cause de la personne d'Ousmane. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, je ne veux pas qu'un jour, il arrive à avoir une situation, il a des problèmes, et que des gens vont venir me dire, ah, tu sais, quel qu'en soit quoi, c'est ton frère de même mère, même père. Si vous savez combien de fois vos démagogies là, vos mots là me font mal, fait, billah, vous n'allez jamais me dire ça. Alors, c'est ça. Hier, avant-hier, quand j'étais en live sur TikTok, quelqu'un est venu dire là-bas, non, tu sais, Fatou, ce que moi j'ai à te dire, pardon pour l'amour de Dieu, il faut pardonner ton frère. Tu ne peux rien, oh. C'est ton frère, vous êtes de même mère, même père. Je ne peux rien. Anga mama, si je ne peux pas quelque chose, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas me soucier. Je ne vais pas appeler X, je ne vais pas appeler Y, je ne vais pas m'enquérir de la situation d'Ousmane. Il est vivant ou mort, j'en ai rien à foutre. Wallahi billahi tallahi. Parce que c'est ça. Et je ne m'en veux pas en fait. Donc quand lui m'a dit, je sais combien j'ai dépensé pour Ousmane dans le passé ici. J'ai même pris un avocat ici, je l'ai payé 7 000 $ pour monter des dossiers pour Ousmane. Et vous savez ce qu'il a fait? Donc si vous me parlez d'Ousmane là, si vous me parlez d'Ousmane, c'est que vous me faites rire même. Billahi wallahi, je vais pas, j'en ai rien à foutre. Et si à cause de Ousmane, moi je vais me taire sur CNRD, qu'Allah reprend ma vie. Là, je ne dis rien pour le moment. Hein. J'attends d'observer, de voir ce qui se passe. Mais quand je vais revenir sur Mamadi, Mamadi, moi, je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux rien contre moi. On ne se connaît pas, tu ne me connais pas. I'm sorry. I'm sorry. Vous avez compris? Donc, je ne parle pas d'Ousmane. Le problème d'Ousmane, c'est son problème. À partir de jeudi passé, là. À partir de là, je ne vais plus me caracasser pour Ousmane. J'ai besoin de mes enfants, là. Vous avez vu mes enfants? Ils n'ont que moi. Donc, à part Dieu, là, c'est moi. Et j'ai vraiment besoin de ces deux anges-là, ici. J'ai besoin d'être à leur côté. J'ai pas envie de mourir, laisser mes enfants là à cause d'Ousmane. Voilà, quand je meurs ici là, personne ne va prendre soin de mes enfants. Personne ne va prendre soin de mes enfants. Et ce qui est dommage dans ce pays, quand je vais mourir, hein, c'est Social Sécurité qui va récupérer mes enfants. Ils vont les éduquer n'importe comment en fait. Et je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Je ne souhaite pas, même pour un ennemi en fait. Même mon ennemi, je ne le souhaite pas pour ses enfants. Plus forte raison, moi, mes enfants. Alors, c'est ça. Donc, moi, le cas d'Ousmane, là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Là où sa petite soeur de même mère, même père, après lui, celle qui vient, est du CNRD. La Benjamine, elle, je peux comprendre la Benjamine. Elle, c'est une petite, elle est gamine. Juste parce que, voilà, elle met les photos de Mamadi, elle aime Mamadi, elle aime le CNRD. Mais là, voilà, mais l'autre là, peut-être, vous savez, mais je vais venir. Je dis, je vais être une autre personne ici. Pas pour Ousmane, hein? Mais je viendrai montrer à Mamadi que il ne peut rien contre moi. Moi, je suis une personne qui est protégée par Allah le Tout-Puissant.
Ah, moi, j'ai épargné ce que j'ai traversé en Guinée. J'ai quitté la Guinée. Je suis venue ici aux États-Unis. Eh mon Dieu. Quand j'ai quitté, je suis allée, j'avais que la green card. Je n'étais pas encore citizen. Je suis revenue au pays, sain et sauve. Je suis restée observer ce qui se passait. Vous pensez que moi, je vais être à votre merci? Moi, Ousmane, il a tout fait, non, tout fait, revient, machin, machin. Tout. Ce que Ngélo ne connaît pas les gens-là. Il ne connaît pas les gens-là. En fait, c'est ce qui me fait mal. J'essaie de faire comprendre aux petits-là. Est-ce que tu connais? C'est pourquoi? Billahi wallahi tallahi, je suis une musulmane. Il mérite ce qu'il est en train de traverser. Peut-être, quand cette fois-ci, il va s'en sortir sain et sauf, la prochaine fois, quand je vais lui parler, il va m'écouter, peut-être. Donc, j'en ai rien à foutre. Vous qui demandez, il y a des gens qui disent que Fat, je ne veux pas te bloquer, c'est tout, sinon. Il faut bloquer, hein, bloquer les gens. Il te bloque, casse, mais il ne bloque pas. Diallo Ousmane, oui, c'est bien fait pour lui. Wallahi, ça seulement, j'aime bien voir les gens comme ça. Diallo Ousmane, billahi wallahi tallahi, c'est bien fait pour Ousmane. Ça seulement, je suis d'accord avec toi. Et c'est des commentaires comme ça que je veux écouter, je veux lire, je veux voir. C'est bien fait pour lui. Il a cherché, il a trouvé. Pour ceux qui disent que qu'est-ce que Ousmane a fait pour qu'il soit arrêté, pourtant actuellement il ne parle pas, il ne dit rien et tout. Voici ce que Ousmane a fait pour qu'il soit arrêté. Et il avait fait la même chose, il a été arrêté. De 19h à 14h, il a été libéré. Et c'est les mêmes personnes qui l'ont arrêté. Et ça, l'ordre venait de la présidence. C'est la présidence qui l'a arrêté. C'est Mamadi, son CNRD, Bala Samoura, c'est eux qui ont arrêté Ousmane. Donc si Ousmane meurt là, demain, c'est les personnes là, ce n'est personne, si ce n'est pas Mamadi, Bala Samoura, le CNRD, c'est eux, rien, personne d'autre. Même après 15 ans, 10 ans, s'il y aura, un jour je vais venger Ousmane, quand il meurt dans ça, je vous jure, je ne vais pas quand même pardonner, je vais venger mon frère à tout prix, ça c'est une vérité. Après 10 ans, s'il faut, ce n'est pas un problème. Je le ferai. Oui, je le ferai. Donc, c'est Mamadi, c'est Bala. C'est eux qui détiennent Ousmane. Vous qui demandez qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit arrêté, c'est deux raisons. La première fois, quand il a été arrêté, il a fait quoi? Il prend son passeport, juste son passeport. Il fait un live. D'abord, avant ça, il avait fait un live là où il dit « CNRD, je parle, vous n'écoutez pas. Hein? » Il a voulu attirer l'attention des gens là. Il connaît, tu es malade de quoi? Alors, c'est ce qui me fait mal. Toi, tu penses que quelqu'un qui ne t'aime pas, il va t'aimer. Quelqu'un à qui tu n'as jamais fait du mal, t'a fait du mal pour une première fois. Est-ce que tu penses que... Toi, tu ne connais pas CNRD, non? CNRD, les personnes qui connaissent là, c'est nous qui mettons le feu dans leurs fesses là-bas. Là. C'est nous, ils connaissent. Ils s'en foutent de quelqu'un. Déjà, ils ne t'aiment pas. Ils ne vont pas t'aimer. Tu cherches quoi? C'est CNRD qui t'a mis au monde? C'est CNRD ton frère? Mamadi, ou bien les gens là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils vous lient? Tu aimes la politique. Tu étais de l'IFDG. Tu as quitté, tu es du RPG. Tu es là-bas, Mamadi est venu. Tout le monde a vu, sincèrement. Tu as tout fait pour les soutenir. C'est moi qui t'ai dit, fais attention. Même quand tu avais tes gardes, on t'attaquait. Là, tu n'as pas de garde. Ils vont te tuer et puis rien ne va sortir. Pense à tes enfants. Moi, je suis avec mes enfants. Je l'ai tellement parlé, il a compris. Je dis, fais tes vidéos comiques comme c'est ce que tu aimes. D'ailleurs, c'est ça, tu connais. Tu restes dans ton coin. N'attaque ni Paul ni Pierre. Ne dis rien. Parce que nous, les Nielos, même quand ils mettaient une photo de Mamadi, ils vont venir l'insulter. C'est comme ça, ça va commencer. Ils vont venir l'insulter, ils vont venir l'attaquer. C'est comme ça, les choses vont commencer.
Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est comme ça les choses vont commencer. Ils vont venir l'insulter. Ils vont faire comme, parce que moi, au début, quand j'étais venue sur les réseaux, pendant un an, je n'ai rien dit. Je n'insultais pas. Je dis, arrêtez, je sais insulter. Ils m'insultaient, je dis, arrêtez, je sais. Corinne ne me poussait pas au bout. Maintenant, après, je les ai montré que je peux tout faire. Si c'est l'impolitesse-là, je suis plus impolie que même le mot impoli. Il n'y a pas plus impoli que moi. Parce que moi-même, là, je n'ai pas peur, en fait. C'est ce qui est très grave. Je n'ai peur que d'Allah. À part Allah, je n'ai pas peur d'un être humain. Ton argent ne me fait pas peur. Tes armes ne me font pas peur. Ce que rien d'un être humain ne va, moi, me faire peur. La seule chose que j'ai peur que d'Allah. Mais quand on se connaît, tu m'aimes, tu me respectes, tu me considères, je vais t'aimer, tu feras de moi ce que tu veux. Je vais tellement t'aimer, te respecter. Toi-même, tu vas avoir honte. Toi-même, tu vas dire, mais attends. Ah, non, mais je... Attends. Donc, c'est pas Fatou que je vois sur les réseaux, là. Oui, c'est pas elle. Je vais te rendre la monnaie de ce que tu m'as montré, la considération, l'amour, le respect. Sinon, à part ça, il n'y a pas plus impoli que moi. Moi, à venir... Prendre ciseaux et couper testicule de quelqu'un, c'est comme bonjour. T'insulter, rentrer, je dis, toucher à ta dignité, et puis c'est ce mourabama. Rima no ma fera dorongato. Oui, oui. Vous avez vu? Même quand on veut être sage là. Même quand on veut être sage, il y a un qui vient dire, mais tu vois, on t'a répondu là-bas. C'est bon, je n'ai pas envie de... Ah bon? Ok. Tu n'as pas peur, mais apparemment, tu avais fui. Dis-le, oui, j'ai fui, c'est normal. Je ne suis pas plus que le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le prophète Mohammed, à qui Dieu a tout donné. En fait, ce que Dieu a donné au prophète, c'est immense. Il a donné au prophète le savoir avant qu'il ne soit même né, lui le prophète. Il sait, pendant, quand il est né, il sait. Dieu a donné au prophète le savoir avant, pendant et après. Et moi, j'ai quoi? Et le prophète Mohammed, paix soit lui sur lui, à la Mecque, il a fui ses ennemis. Il est allé à Médine. Donc, c'est pourquoi j'ai fui. Et j'ai fier, je suis fier de fuir mes ennemis. Parce que c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient de moi. Tu sais qu'ils pouvaient me tuer. Qui est la perdante? C'est moi, mes enfants, ma mère. C'est pourquoi j'ai fui. D'accord? Et je suis très fière. Et s'il s'agit de refaire encore, fuir mes ennemis, je vais le faire. C'est tout ce que je vais faire. Mes ennemis, là, je vais les fuir. Je vais me référer. Je dis, attends. Le prophète Mohammed, paix soit lui sur lui. Lui que Dieu a tout donné. Lui, il a fui ses ennemis à la Mecque pour Médine. Moi, je suis qui pour ne pas fuir mes ennemis? Tu es satisfait de la réponse? Toi, l'ethno. Moi, je ne suis pas angélo. Hein? Moi, je ne sais pas NRD, mais ça go sotomant en nago. Anga mama. Parce que moi, ma rafale n'a rien de fait, Mamadi m'a fait. Mamadi, j'ai affaire avec Mamadi. Mais j'attends juste un peu. J'attends quelque chose. J'attends un moment. J'attends juste nous faire baigner. Nous, Mamadi Nara. Et n'y a le Faramane Ibiasi. N'y a le va mourir. N'y a le va mourir. Si c'est à cause de moi, là, Wallah, il va mourir. Et c'est ce qu'il mérite. Alors, Nielo a été arrêté pour deux raisons. Il a confiance à Mamadi, au CNRD. Il pense que les gens-là,
Parce que c'est ce qui me dit tout, les gens là comprennent. Avant, fallait faire ça pour faire plaisir à l'IFDG. Ils étaient là pour, voilà, fallait ils voulaient s'installer, machin. C'est ce qui est dans sa tête, parce que c'est ce que les gens l'ont dit. Non, mais moi, même ça là, moi, je n'aimerais pas finir ma échelle là. Moi, je ne suis pas à l'échelle de n'importe de qui que ce soit. Et je ne serai jamais à l'échelle de qui que ce soit. Personne ne va monter sur moi pour voir le sommet. Personne ne va, moi, me sacrifier pour sa personne. Jamais de la vie. Mieux le me faire croire, comprendre, genre, non, c'était normal. Quand on l'a arrêté en 2020, 20 ans, donc c'était normal, il voulait la popularité des gens. Voilà, les gens là, tout ça, il me dit à quoi? Il ne peut pas être contre nous, machin, c'est toi, tu n'as pas compris. Il veut, parce qu'après, il y a eu ces gens qui l'ont dit ça. Merci beaucoup, Alcéne Diallo. Vous avez compris? Donc, dans sa tête que les gens là, il n'y a pas eu de problème entre eux. Les gens là, surtout Mamadi ne le connaît pas. Donc, et puis CNRD, il n'y a que les RPGistes qui sont là-bas. Mais oublie que ce sont les frustrés, les ethno, les haineux, les méchants, c'est eux qui se trouvent dans le CNRD. Sinon, ils sont tous RPGistes. Et ce sont les enfants de RPC. C'est des gens qui sont venus venger leurs parents, leur papa, leur maman, qui n'ont pas eu quelque chose au temps de Alpha. Donc, ils n'aiment pas les personnes que Alpha a aimées. Surtout nous, ils se disent que nous qui sommes venus hier. Mais oubliez que nous, le sacrifice qu'on a fait pour Alpha Condé, vous qui êtes nés dans le RPG, vous les enfants de RPC, vous n'avez pas fait ça. Venir faire face à Sir l'IFDG à un moment ici, qui osait faire ça? Il n'y avait que nous. On est venu se battre, on a ramené le respect, on a imposé le respect sur le président Alpha Condé. C'était le plus insulté de tous les présidents en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, dans le monde entier. Seigneur le qui est venu ramener le respect, imposer le respect. Il s'est autoproclamé ministre de la Défense. Tu attaques Alpha, il t'attaque. Il a ramené le respect. Les gens ont allé jusqu'à ils ont compris. Ah, après ils m'ont mis dedans et je suis rentrée dans la danse. Et puis voilà, on est allé jusqu'à tout le monde a vu, jusqu'à eux-mêmes ils ont compris que c'est pas la force. Seul en personne, il est allé avec, il est allé en douceur maintenant. Il a compris que si c'est la force là, notre communauté, 98%, c'est pas toute notre communauté, mais 99% de notre communauté s'est braqué contre nous, nous ont attaqué de tous les sens. Même notre propre mère m'a coupé. Elle ne me parlait pas. Moi aussi, je ne les parlais pas, je les coupais. Quand ma mère, ou moi, moi par exemple, si je perdais ma vie, quand j'allais mourir en ce moment, j'allais mourir et que je ne parlais pas avec ma mère. Elle, si aussi c'était elle, elle allait décéder et que je ne parlais pas avec ma mère à cause de la politique, à cause de l'IFDG, tellement qu'elle avait la pression, tellement que elle, j'ai l'âme. Et j'ai cette même petite sœur-là, elle était avec son mari à l'époque qui était de l'IFDG. Son mari-là la mettait de la pression. Elle-même, elle était contre moi. Et je pense que toi et cet homme-là, vous avez fini où? Ça t'a changé, ça t'a servi quoi? Il n'y a pas mieux que la famille. L'homme-là, c'est pour un temps. Après, vous êtes où? Quand il t'a déposé là, quand il y a eu ça, c'est pas nous aussi, c'est pas moi qui est venu vers toi encore te soulever, te soutenir. Aujourd'hui, tu parles du CNRD là. Tu soutiens le CNRD. C'est pas Nielo qui t'a mis en contact avec les gens avec qui tu es dans le CNRD aujourd'hui. Toi, Agnès, le peut se perdre et puis tu t'assois là-bas, tu ne dis rien. C'est parce que tu sais où se trouve Ousmane. Mais toi et moi, ce n'est pas le moment même. Cette fois-ci, je suis plus déterminée que dans le passé. Je ne suis plus cette personne qui était hier. Hein. Je suis plus dingue. Ok. Alors, je suis seul terrain et je suis le temps de regarder. Je suis désolée pour les personnes ici, mais y a, vous avez un collègue qui a fait un peu de temps.
et coupé c'est un nana fine nana on t'en fait mal ciseaux nana on fait couper donc on va rien gamadi kaba ma page là voilà donc n'y ce qu'il est en train de traverser c'est bien fait pour lui. Nielo a été enlevé pour la première fois parce qu'il avait montré son passeport pour dire qu'il va sortir. Et ça, c'était Kader Yomba qui l'a appelé. Kader l'appelle pour le dire, petit, viens, je veux te voir. Il a insisté, persisté. Le petit est allé le voir. Le petit est allé le voir. Il le parle de soutien Mamadi, d'être dans l'esprit. Nielo dit qu'il est dans l'esprit déjà. Il parlait de moi, Ousmane dit, je ne peux rien, je ne sais rien de ma soeur. Kader Yomba, il monte dans sa voiture, il y a deux aussi pick-up, et deux 4x4 aussi viennent, ils prennent Ousmane, on l'embarque de 19h à 14h, il était pris. À 19h, maintenant, à 5h, il a eu l'occasion pour nous informer. Parce que Ousmane a toujours fait du bien aux gens. Pour informer où il était, ils nous ont informé. Ils ont informé ma mère. Ma mère nous a informé. Et on a fait quelques appels de certaines personnes. Et il y a eu l'intervention. Et il est sorti. Après, quand ils sont allés, ils ont dit que l'ordre vient de la présidence. Il a été enlevé. Après, voilà. Il est allé, voilà. Et puis après, il a été relâché vers 14h. Après, on dit que je ne dois pas savoir. Faut pas qu'on... Après, ils ont dit non, je suis déjà au courant. Alors, de me calmer, de ne rien dire sur les réseaux. Womuyalang, vous pensez que moi, les réseaux, là, c'est film ou bien c'est espace? Vous pouvez fermer que les radios privées qui ont l'agrément en République de Guinée. Nos pages Facebook, là. Je suis libre de venir dire ce que je veux. D'ailleurs, maintenant, je vais monétiser mes pages. Je ne vais plus venir gratuitement. Maman dit, quand je vais venir sur toi, je dis, ce que les gens n'osent pas, là, moi, je vais oser. Ça ne va pas être gratuit. Hein? Et puis, l'argent va rentrer cette fois-ci. Tout ce que je ferai de toi, maman dit. Est-ce que tu connais l'argent qui se trouve dans les réseaux? Est-ce que tu sais l'argent qui est là, là? Toutes les personnes qui font les vidéos là, il y a d'autres qui travaillent seulement parce que ici aux États-Unis, voilà, il faut que tu travailles pour être dans le système. En Europe, tu as vu les blogueurs là. Moi, je ne suis pas blogueuse, hein, mais je vais monétiser ma page, je vais parler politique. Et je vais même laisser le boulot. Je vais remplacer l'argent du travail avec l'argent qu'on me paye sur Facebook ici. Je vais taper sur toi et puis je ne vais même pas parler français. Je parle Soussou, je parle Malinké, je parle Poulard. Et puis nous fils sombrés, yati, mamadi. Et puis yako l'amour à femme même. Mirim nakamba, c'est l'oudale, manna mirim ba mané, mamadi, Doumbouya, je te promets. Barira dit. Mirim ba mané, mamadi, voilà. Si vous pensez que pour prendre Ousmane, vous pouvez m'atteindre, c'était dans le passé, vous m'avez eu. Là, tout ce que vous faites d'Ousmane, il le mérite. Wallahi billah, il le mérite. Si ça, ça va m'affecter, tout mon rêve aujourd'hui, c'est comment vivre longtemps pour garder mes enfants là, pour être dans leur vie jusqu'à ce qu'au moins, ils renoncent. Faire badi et bien. Parce que nous, aujourd'hui, on est orphelins de père. Même quand ma mère meurt aujourd'hui, sincèrement, voilà. J'aurais besoin d'elle pour la vie, mais elle n'a pas quand même laissé des enfants. Même la Benjamin est mariée, elle a deux enfants. Donc, y a pas, ma maman n'a pas laissé des... On sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui n'est pas bon pour nous, sauf Ousmane. C'est pourquoi à chaque fois, il n'y a que lui qui a des problèmes. Dans, parmi les 28 enfants de mon père, c'est lui seulement qui nous fatigue en fait. C'est lui seulement qui cause des problèmes à la famille. Moi, c'est à cause de Ousmane que je suis devenue cette personne sur les réseaux. Sinon, je ne t'ai pas comme ça. Maman dit, demande à Takana qui je suis. Demande à Takana. Tu l'appelles, tu le fais asseoir. Tu dis, Moukta, Fatounia le parle de toi. Que de te demander qui elle est. Ou tu appelles Lancé, Touré.
Parce que Takana, au moins, c'est un ami, c'est un frère. Mais lancé, quand tu l'appelles, tu le demandes qui je suis. Il va te dire qui je suis. Tu vas lui dire de te montrer nos images dans le passé. Et tu vas dire, c'est qui Fatounele? Lancé Touré, là, ton directeur, appelle-le. Parce que lui, il me connaît mieux que n'importe qui. Appelle-le, tu vas lui dire, lui, il était qui pour moi? Il y avait quoi entre nous? Voilà. Lui, il va te dire qui je suis. Donc, on t'aura cessé dans tout le monde à ma gare. Je sais pas, on a colo. On va les rafier, on va les rafier. Il y a un rodon nara. Voilà. Moi, j'ai dit, faut bloquer les gens. Donc, tu es ici. Bloque-moi bien au TikTok. Alors, Nielo a été enlevé. Sinon, tout le monde a vu sur les réseaux actuellement, il ne fait que faire des choses comiques. Il ne fait rien qui peut... Voilà. Mais le fait qu'il a montré encore son passeport pour une deuxième fois, pour dire qu'il voyageait, et ce qui me fait mal, pourquoi je suis fâchée contre Ousmane jusqu'à ce que je n'ai plus de pitié pour lui. On va pleurer ici. Est-ce qu'il est la première personne de perdre sa vie? Peu importe, il va mourir. Tamoundé, son destin, c'est ça, c'est le CNRD. Et il le mérite, il a cherché, il a gagné. Wallahi billahi tallahi. Aujourd'hui, en fait, avant que Ousmane ne soit arrêté, j'avais un poids sur moi. J'avais mal au sein. J'ai même eu peur. Est-ce que cancer à moi m'a souffé? Je suis tombée malade d'ici. Je voyais des choses devant moi. Non, je n'étais pas moi-même. Je me levais pour aller au boulot et j'ai des vertiges. Je vois quelque chose dans mes yeux. En fait, je ne me sentais pas. Je ne savais pas qui j'étais en fait. Je dis non, j'ai un problème. J'ai appelé ma famille pour les informer. Je dis ah. Je dis, Mounaï était ici. Il y a un problème. Je dis, je souris ici, hein, je suis là. Je dis, mais j'ai un sérieux problème dont je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Je dis, j'ai mal. Mon sein droit me fait très mal. Est-ce que je n'ai pas eu le cancer? J'ai mon corps ici là qui me fait mal. Je ne dors pas. Je n'arrive pas à manger. Quand je me lève, je veux sortir pour aller. J'ai des vertiges et puis je me couche. J'ai expliqué ça à ma famille. Je dis donc, ça ne va pas. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, peut-être que je vais mourir. Donc, quand je vais mourir, je les ai tous dit ce que j'ai... Je les ai informés, en fait, voilà. Comme dit en Poulard, mais voici. Depuis jeudi passé, quand il a été arrêté, aujourd'hui c'est une semaine, non. Je suis guérie. Billahi, rien ne me fait mal. C'est mon sel là qui me faisait mal. Je n'osais même pas toucher. Je suis guérie. Je suis allée, j'ai fait, ils n'ont rien vu, rien. Là, là, me faisait mal. Je voyais des choses, ma tête tournait. Mais depuis là, wallahi billahi tallahi, je vous jure sur le Coran, je n'ai plus rien. Rien ne me fait mal. Et je suis soulagée parce que c'est comme si j'avais un poids. Quand je parle à ce petit, il ne m'écoute pas. Donc je me suis déchargée d'Ousmane. Et j'ai bien fait. Si quelqu'un dit que ah, je n'aime pas mon frère, je ne l'aime pas. Il ne mérite même pas mon amour. Parce que s'il méritait mon amour, il allait éviter le problème. La situation dans quoi il a mis sa mère actuellement. Quand ton enfant meurt, c'est Dieu qui l'a repli. C'est Dieu qui a repli l'âme de ton enfant. C'est Dieu qui l'a rappelé. Donc ça va. Mais il est porté disparu. Vous savez combien de fois la maman va penser qu'il va imaginer il est où, il fait quoi, quoi, quoi. Et s'il se portait bien, si tout allait bien, il allait donner des informations. Mais il n'y a pas d'informations. Depuis jeudi jusque-là, une semaine, jour pour jour, il n'y a pas eu d'information. Personne ne sait où il est. Moi, ça ne me dit absolument rien. Je ne m'en veux pas. Mon papa qui est à la haut là, il est fier de moi. Il ne va pas être fâché contre moi. Je vais ici aujourd'hui, j'allais venir dire, eh, pourtant je pouvais aider Ousmane. Pourquoi je n'ai pas fait aider Ousmane? Pourquoi je n'ai pas fait ça? J'allais me reprocher. Mais j'ai tout fait. Qu'est-ce que je peux? Tout ce que je le demande, dis-moi, ok, en 2018, avant que notre papa meure, en 2019, le premier, Ousmane est allé revendre un. Mon papa, j'ai fait en sorte que mon papa nous donne deux terrains.
Je dis, revends un pour toi. Moi, ne revends pas pour moi. Je veux investir. Ousmane est allé revendre les deux. Il m'a coupé la parole. Il m'a laissé. Mais quand il a eu ses problèmes ici, vous m'avez tous vu ici. Moi, je me dis que l'argent ne va jamais rentrer entre mes frères et sœurs et moi. Aucun bien. Ils ne vont pas faire quelque chose concernant un matériel et qu'on va se... En fait, je vais me fâcher contre eux. Je ne vais jamais être en guerre avec ma famille à cause d'un bien matériel. Qu'Allah m'en garde. Et j'ai même dit à Dieu, si je dois gagner l'argent et que l'argent là, je ne donne pas à mes frères et sœurs, Allah ne me donne pas l'argent là, c'est jusque là. Mais ce que je veux chez ma famille, sur mes soeurs, c'est qu'on m'écoute au moins. Quand je leur dis, faites ça, tu fais. Vous avez vu mon petit frère qui est au Canada, je n'ai pas envie de montrer sa photo ici pour le mettre, pour ne pas le mettre en danger en fait. Le petit m'écoute tellement, il est tellement sage, il est tellement bien pour lui. Il sait seulement ce qu'il veut. Il ne fait rien sans me demander. Il demande toujours mon avis. Et quand je lui dis, il dit, ok. Il est tellement... Il a fait s'il a la mine. Il a fait s'il a la mine. Il a eu le bac en 2000, combien même, j'ai oublié. Il est allé en Tunis. Il a fait 6 ans l'architecture. Il a fini les 6 ans. Il est allé en France. Il a fait 2 ans. Il a fini. Là, il est au Canada. Il fait son master 2. Parce que lui, il écoute. Parce que lui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il vaut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais comme il est son clochard, comme il est son vagabond, comme il est son imbécile, comme il est son salopard, comme il est son farfelu, comme il est quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut. Il ne sait pas de quoi il est capable. Il ne veut pas m'écouter, moi qui peux l'aider. À être une personne, je suis venue regarder. Moi, je sais renverser la tendance. Qui pouvait imaginer qu'un jour, aujourd'hui, même parler, quelqu'un qui parle pour l'art, allait nous dire qu'on t'aime. C'est moi, j'ai renversé la tendance. Moi, je suis la fille d'un grand politicien. J'ai côtoyé des grands hommes. C'est le papa de RBBP à son âme qui m'a mis à l'école. Baour, qui est actuel premier ministre, là. Je partais dans son salon avec mon père pour les réunions. Est-ce que vous avez compris? J'ai fait Hadjamed à la minière dans l'école de Alpha Dioniser, papa Alpha Dioniser, l'ami de mon père. Quand je finissais mes cours à 14h30, 15h, papa est là. Je reste avec mon père. Si j'ai des devoirs aussi, je le fais à l'école là-bas. Je finis comme l'école aussi, c'est dans la cour de son ami. Et c'est là-bas qu'ils se tenaient leur réunion de la coordination foutale. Donc, je suis en quelque sorte chez moi aussi. Parce que voilà, papa Alpha Dioniser, sa maison était là. L'école était dans sa cour. Donc, je finis mes cours, je finis mes devoirs, je viens, je mange là-bas et je viens. Et vous savez, les petites filles avec leur père. Donc, papa et ses amis étaient là en train de faire les réunions. J'étais là, je m'assoyais. Donc, je sais tellement m'approcher des vieilles personnes, les personnes âgées. J'apprenais, j'ai beaucoup appris en fait. On est allé à l'IFDG. L'IFDG, c'est Loudalin et mon père, ils avaient leur propre relation. Moi, Fatouniel, j'avais mes propres relations avec Selou. Ousmane Niel avait ses propres relations avec Selou. Et Niel aussi avait ses propres relations avec Alimatou Dalé. Voilà. On a quitté. On est venu chez Alpha Condé. Quand ils ont parlé, je dis, moi, Fatouniel, quand Niel a tout fait pour aller au RPG, quand ils l'ont appelé, les gens ont compris. D'abord, quand papa est décédé, quand Selou n'est pas allé, vous savez l'histoire, je n'ai pas besoin de revenir. Alpha, quand il est allé à Madinanyanou, il a quitté, il est allé chez nous. De là-bas, il a envoyé des délégations, vous avez vu, parce qu'à l'époque, on postait, il les repostait. Donc, il a été là, il nous a soutenus moralement. Donc, les gens ont commencé à dire, ah, et là, le président, les enfants là, voilà, c'est des pions, c'est des piliers, c'est... Les gens ont dit de venir aller au RPG. Il a dit, je ne viens pas.
les personnes, le jour où j'ai été appelée par tonton Tidiane Traoré et quelques cadres du RPG, quand on est venu les revoir, je dis, écoutez-moi très bien, je ne vais pas adhérer dans l'RPG sans voir Alpha Condé. Je vais voir Alpha, je veux parler avec Alpha Condé pour être dans le RPG, sinon non. Donc on discutait dans nos discussions, le président a appelé Papa Ahmed Tidiane. Il a mis AC, le numéro d'Alpha était enregistré, AC, il dit c'est le président qui appelle comme ça. Il a parlé avec le président dit de mettre en haut-parleur. Il dit, ah, tu as reçu les enfants. Papa Tidiane dit, oui, j'ai reçu les enfants, on est ici, mais voilà, je les ai proposés d'aller demain au siège et ils vont adhérer. Mais il y a sa sœur ici qui dit que non, tant qu'elle ne rencontre, qu'elle ne vous rencontre pas, qu'elle ne va pas adhérer. Le président dit, ah bon? Le président dit, il dit oui. Il dit, ok, volume, vous ne m'entendez pas? Mahdi Traoré. Ah ouais, volume. Anyway, peut-être ton téléphone a un problème. Les gens m'entendent ici. Il dit volume. Si vous ne m'entendez pas, je vais couper sur Facebook ici. Parce qu'il y a Mahdi qui vient dire ici, volume. Peut-être Mahdi, c'est quelqu'un qui est venu me distraire. Non, ce n'est pas sur TikTok. Non, pas sur TikTok. Sur... C'est bon, merci, voilà. D'accord. Donc, du coup, merci pour ceux qui ont dit que, voilà, vous m'entendez. Le président dit, ok, il faut les amener et tout. On est allé à la présidence, on est venu trouver Alpha Condé. Quand il a vu Nielo, il a pris Nielo au collet ici. Il dit, c'est moi que tu insultais, tu attaquais sur les réseaux. Il dit, maintenant, si tu es garçon, parle, je suis ici, devant toi. Après, Nielo n'a rien dit. Il a pris ici, il a amené et puis ramené aussi. Après, il dit, ok, c'est toi qui voulais me voir? Je dis, oui. Il dit, d'accord. Je suis là devant toi. Installez-vous. Bienvenue. Je dis merci. Je dis monsieur le président Alpha Condé. Je m'appelle Fatmata Binta Diallo. Je suis la fille de Elhadj Omar. Feu Elhadj Omar Nielui. Qui est décédé. Voilà. Le 1er janvier 2019. Et merci pour tout le soutien. On a reçu tout. Merci pour votre déplacement. J'ai fait les remerciements et tout. Je dis... Je suis très contente et vraiment merci. Je dis oui, j'ai décidé de vous rencontrer. Je tenais à vous rencontrer. Pourquoi? Je voulais tout simplement vous dire, parce que je sais peut-être qu'il y a eu des gens qui sont venus vous dire, les enfants là, c'est les enfants du père fondateur de l'IFDG. Les enfants là ont des trucs de l'IFDG, donc il y a des secrets, machin, etc. Et tout, je dis effectivement, c'est une vérité. Parce que toutes les réunions secrètes là se tenaient chez nous. Les personnes qui voulaient donner des informations là, ils venaient chez mon père, ils donnaient les informations. Et mon père m'envoyait, Ousmane et moi, pour aller transmettre la commission sur ces loups. Donc c'est pourquoi rien ne fuitait en fait. Je dis, mais papa, je ne l'avais pas dit papa. Je dis, maintenant, mais monsieur le président, on est ici. On a décidé de venir dans le RPG. C'est vrai, il y a beaucoup de partis. Je dis, Seloudalen a fait le choix entre deux érudits. Mon père est un érudit et celui de Madinayan est un érudit. Quand mon papa est décédé, il nous dit qu'il ne peut pas. Le lendemain, il est allé, on a compris qu'il pouvait, il n'a pas voulu. Donc, il a fait son choix entre deux érudits. Et à notre tour aussi, on fera notre choix entre deux politiciens. Et pourquoi on vient chez vous? Parce que je sais, avec vous, il ne pourra pas supporter. Il va avoir mal. Ça, je sais. Moi, je sais de quoi je vous dis. Mais on n'est pas là pour vous dire quoi que ce soit concernant celui de l'IFDG et de mon père. Les secrets qui se sont passés, les choses qui se sont passées, parce que c'est pourquoi je tenais à vous rencontrer. Il ne faut pas que les gens vous promettent, ah, ils ont ça, et puis à un moment, quand on ne dit rien là,
Après, vous allez penser autrement. Donc, c'est pour que ce soit clair. On est là, on va vous accompagner. Il y a un combat entre cellules uniques qui n'a rien à voir avec vous et qui n'aura rien avec le RPG ni le CNR, ni le, vous, le président. Donc, ça, c'est comme un combat personnel. Moi, je veux honorer mon père. Il a essayé à déshonorer mon père. Et moi, si je vais mourir pour honorer mon père, je le ferai. Donc, on a un combat qui n'a rien à voir avec vous. J'ai dit ça à Alpha Condé. Devant des témoins, devant Ba Ousmane et tout. Après, je dis donc, si vous acceptez ça, parce que peut-être il y a eu des gens qui vous ont dit, ah, ils ont des informations, ils vont venir vous donner, on ne va rien vous donner. Rien, pas d'informations. Rien, tout ce qui s'est passé entre papa, Selou, nous, Selou, ça, là, ça reste entre nous. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, il a compris. Je dis, mais on vous promet de vous accompagner dans toutes vos actions et être fidèle et loyal envers vous. Et jamais on va vous trahir. Tout ce qu'on peut apporter, on le fera. Il a dit, ok. Il dit, c'est bon, il a compris, il était très content et tout. Il dit, lui aussi, à son tour, qu'on est la bienvenue. Si on est venu l'accompagner dans ses projets, changer le pays. Je confirme, ok. Changer le pays. Mais si on est venu pour penser que vu qu'il est au pouvoir, c'est le pouvoir, qu'il y a un gâteau à partager, de se détromper, il n'a pas de gâteau à partager. Donc si on, nous aussi, on accepte ça, que nous sommes la bienvenue. Je dis, il n'y a pas de problème, on accepte. Donc c'est pourquoi je tenais à rencontrer Alpha. Et voilà, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, depuis ce jour, il m'a donné tous ses numéros et il m'a parlé. Vraiment, il a été là pour nous. Quand nous avons eu le téléphone, arrête, il a activé le téléphone. Il a activé le téléphone sur TikTok. Le téléphone, la tablette, elle nous synchronise. Qu'est-ce que tu fais là? Quand on active là sur TikTok, gars. Mais anda on active quand on joue hier du managol. Regarde, tar dari dundo quand on est. Quand on attaque la tablette, ma jouer ou non? Si si, arrête ça toi aussi, enlève. Maman, elle pose. Rai. Ok. Quand on voit le téléphone, ok, John, il a dit, il a dit, ok, il a dit, 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 ok, après. Quand on est, c'est si, il y a mes amis, je vais reprendre. Fia, arrête de faire ce que tu fais. Mais maman, elle okay. J'utilise le téléphone de ma fille. Elle a fait quelque chose. Donc, ce qui a fait que c'était coupé sur TikTok. Désolée. Alors, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, personne ne peut me faire peur. J'ai tellement subi, traversé des choses que personne ne peut m'intimider. Donc, si vous pensez que, en prenant Ousmane Nielui, l'arrêter, que vous, vous pouvez, moi, m'atteindre, d'abord, je ne vais pas accepter parce que je sais. Pas de volume. Ah ouais? Je ne vais pas accepter parce que, tout simplement, c'est votre but. Je ne vais jamais vous donner l'occasion là. Donc, même si je ne voulais pas s'attaquer, en fait, faire certaines choses. D'ailleurs, peut-être il y a des choses que je ne faisais pas à cause d'Ousmane. Parce que dès que je commence, il m'appelle, il dit « Achou, arrête ». Donc, du moment où la personne pour qui m'appelait même pour me dire « Stop là, arrête, ne fais pas », n'est plus,
en liberté. Personne ne sait où il est. Il est séquestré par vous, les bandits, là. Maman dit, tu auras affaire avec moi. Donc, ce que j'ai à vous dire, capturez cette partie, CNRD. Vous ne pouvez rien contre moi. Et vous ne pouvez pas, moi, me faire taire. Je ne vais jamais avoir peur de vous. Ce qu'Ousmane est en train de traverser, il le mérite. C'est bon pour lui, c'est bien fait pour lui. Donc, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui m'a fait mal, en fait. Qui veut me donner des notions de morale, en fait. Non, c'est ton petit frère. Moi, je demande pardon pour ton petit frère. S'il te plaît, ne fais pas ça, Fatsou. Tu sais, on ne peut rien contre le sang. Et on ne peut rien contre le sang. Hey, est-ce que vous savez? Oui, il faut se battre pour ton sang. Il faut protéger ton sang. Mais en retour, il te protège. En retour, il te comprend. En retour, quand tu lui parles, il t'écoute. Mais ton sang qui ne te protège pas, ton sang qui ne se protège pas, et quand tu le suis, tu ne te protèges pas. Moi, je ne vais plus, je vais plus aller avec Ousmane. Je ne vais plus rentrer dans un bateau où Ousmane il est. Quand il y a eu le cas de... Quand il y a eu le cas de Lord Power, quand Ousmane s'est levé, il est allé soutenir Lord Power là. Quand il m'a appelé ici pour le soutien, je dis, n'est-le. Je ne vais pas soutenir. Je ne le connais pas, on ne se connaît pas. Voilà, laisse tomber. Il est venu, non, il a parlé, je dis, n'est-le. N'est-le. Je ne soutiens pas. Non, pardon, il faut soutenir, c'est quelqu'un, il est bien, il nous aime bien. Et je dis, il nous aime, est-ce qu'il nous connaissait avant? Il a eu besoin de toi. Il sait que tu peux remuer. Parce que tout le monde sait que si Nielo veut vraiment faire quelque chose sur les réseaux, ça parle en fait. Non, il y a des gens sur les réseaux là, tout ce que nous on fait là, ils voient quelque chose de mal. Donc ça va faire, les faire mal et puis ils vont venir riposter. Les réseaux là, c'est pour nous les Nielo. Facebook là, c'est plus doux parce que j'ai laissé Facebook. On est venu sur TikTok. Vous avez vu l'ambiance qu'on fait sur TikTok. Facebook là, depuis j'ai quitté, c'est moi qui ambiance Facebook. Depuis j'ai quitté, vous avez vu comment Facebook est. Donc je dis, le monsieur là, non, tout va. Non, il nous aime, il nous apprécie beaucoup. Je dis, est-ce qu'il nous apprécie? Est-ce que depuis tout ce temps, il a cherché? Je dis, est-ce que depuis tout ce temps, il a cherché à nous rencontrer? Il nous apprécie comment? Il nous apprécie parce qu'aujourd'hui, il a besoin de nous. Sinon, il ne nous apprécie pas. Est-ce qu'il était rentré en contact avec nous? Il dit non. Je dis alors. Il dit non, tout fait. Et je dis, ah ouais. En fait, moi, tout ce qu'Ousmane me dit, je fais. Hein. C'est comme ça que je suis venu soutenir Lord Payeur là. Après, quand il a fini d'utiliser Ousmane, il a jeté Ousmane. Même quand Ousmane l'appelait, ça ne passait pas. Après, je dis ouais. Donc, moi, je ne vais plus être dans le bateau d'Ousmane. Quand Ousmane, même si Ousmane, maintenant même, je vais m'opposer. Parce que je ne voulais pas donner l'image là sur les réseaux. Quand lui, il dit, ah, regarde, c'est des frères, même mère, ils s'opposent. Et quand moi, je m'oppose à Ousmane, Dieu me donne une force. Moi, j'ai la force divine. Dieu va toujours être avec moi. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas envie de l'affaiblir. Partout, tout ce qui, partout où il va, je viens, je le suis. Mais bah oui, on en a ta. Kuntigi White, prends. Je vais prendre où? Tu es où? Tu envoies une demande ici? Prends. Prends quoi? Quoi TikTok, quoi au Facebook? Je vois, tu dis prends. J'ai vu Kuntigi White, prends. Fatou, oui. Je ne vois rien, Kuntigi. De prendre quoi? Ah, de demander d'or? Parce qu'il y a Kuntigi qui me dit ici, Fatou, Kuntigi, prends. J'ai pas vu, je sais pas où j'ai pas vu.
Mais y aller, je sais pas. Fatou, oui, Kontigi. Kontigi, prendre où? Non, il voulait monter ici. Ah, ok, d'accord. Il faut le prendre ici. J'ai même vu ton appel à l'année. Je ne vais pas me calmer. Écoute-moi très bien, Gentolan. Quand Ousmane meurt, ce n'est pas moi qui meurs. Si l'on calme, écoute-moi très bien. Là, pour le moment, je n'ai rien dit. Je n'ai pas attaqué Mamadi d'abord. Mais je vais l'attaquer. J'attends juste quelque chose. Je ne vais pas me calmer. Il ne faut même pas. Je vais te bloquer. Billah, je vais te bloquer. Si, pour le moment, je ne suis pas prête. Mais wallahi billahi si l'on calme wa ta'ala hollanu lado, je ne vais pas me calmer. Pour le moment, je ne dis rien, j'observe. Voilà. Mais ils ne vont pas prendre Ousmane pour moi m'atteindre, ça ne marche pas. Je vais me rebeller plus. Ça, c'est clair, Kontigi. Je vais te bloquer, je vais bloquer tout le monde. D'abord, je vais aller changer de numéro de téléphone. Billahi wallahi. Ok, voilà. Non, je te permets, je suis là, je t'écoute, je te permets. Voilà. Mm. Oui. Ouais, que falta, quand je t'écoute. Merci. Parce que bien que Facebook, là, Facebook, on est compliqué. Mais non, maintenant, on n'a plus de temps de m'envoyer. Ok. Demande. C'est vrai, mais de toute façon, c'est ce que je vais te dire. Fille Allah, il m'a dit déjà à Teta, comme ça, Allah. Tu sais, ce n'est pas le moment donné. Ok. Atufi Allah, anda tao, s'il te plaît, ne parle pas vite au besoin sans savoir il y a quoi exactement. Mais c'est ça que je suis en train de faire. Parce que non, si on a dit, allez, ça peut accuser n'importe qui. Ce que moi je peux te dire, I know. Je sais. Je sais. Non, la holi, billahi wallahi. Bari, si t'es là, doutouma, si mi hola ki ma hand. Si tay mi jogorama was tay ko anena goto to Allah mino ubi pamben ko susi ya mon foko dun non ça je te dis clairement je abo tout m'explique anama andi hande ça fait une semaine écoute moi bien aujourd'hui ça fait une semaine da andi ko non ngadi je ne dis rien je n'appelle personne je ne cherche même pas à savoir il est où parce que tout simplement je sais quoi que lui Ousmane d'abord il a ses deux sœurs surtout il y a une qui est très active. Si elle ne cherche pas à savoir où se trouve Ousmane, si elle peut, Abolan, si elle peut, Awayao, Langarde, si elle peut s'asseoir, son frère est kidnappé une semaine, elle est du CNRD, sans savoir qu'est-ce qu'il a fait, le pourquoi, où elle le sait, elle se tue parce que peut-être moi, pour être complice et que moi, pour moi voir, Barry, je vais te dire, sur la tombe de mon père, sur la tête de mes deux enfants, sur mon avenir, si à cause de Ousmane, ils vont moi me faire taire, ou si à cause de Ousmane, ils peuvent moi m'atteindre. Toi, Allah, tu m'as dit, bip, yambin. Pour le moment, je ne dis rien. Mais Barry, une semaine déjà, c'est beaucoup. On va attendre de voir. Mais si on sait que je vois que Ousmane, il est vraiment porté disparu, wallahi billahi tallahi, j'aurai affaire avec Mamadi Doumbouya. Je vais bloquer le numéro de tout le monde. Je vais venir l'attaquer. D'abord, je ne vais plus aller au boulot. Je vais monétiser mes pages.
Je vais attaquer Mamadi et puis les vidéos seront partagées. Et les vues vont être ce que je vais tel. Parce que quand je l'attaque aujourd'hui, pourquoi moi à un moment je dis je n'attaquais personne. Tu attaques Mamadi, IFDG, les autres là, attends grand, ils vont être contents. Tu attaques celle-là, CNRD. Donc à un moment j'ai préféré de ne rien dire, laisser entre eux là-bas. Mais je dis, quand moi là, je vais venir attaquer, je n'ai pas dit 2, 3, 4 personnes, mais Mamadi et voilà, quand je vais les prendre là, je vais enlever le en fait, comment je vais enlever le, en fait, le statut du président sur Mamadi. Pour le moment, je n'ai pas encore dit, hein, mais wallahi billahi tallahi, je ne vais pas me taire. Si il pense que garder le va me faire taire, si l'enfant Kayo Allah Waran, qu'Allah reprend ma vie et puis voilà. S'ils veulent ça, ils n'ont qu'à payer des gens. Vas-y. Je l'aime pas. Wallah, je l'aime pas. Oui, mais c'est ça, il ne mérite pas mon amour. Avant, je l'aimais. Mais comme il ne m'a pas écouté, toi, tu es témoin. Je ne vais plus aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Je suis l'ennemi numéro un d'Ousmane Nguelo. J'accepte. Et si c'est à cause de moi, pauvre néné, on s'en m'a parce que mes rêves ne sont pas bébés. Faut pour réseau, dis donc. Donc, faut même pas essayer de. Je n'écouterai personne. Pour le moment, je dis rien. Mais je ne vais pas me taire. Je vais venir mettre Mamadi à sa place, claire et nette. Je ne vais même pas écouter. Je vais être pire la Fatou Nguelo de 2022. Billahi wallahi tallahi. Voilà. L'angentima. Je sais, tu as été la première personne à go live. Mais non, Billahi wallahi tallahi mido holi. Non, mido gentimani. Dandi ande bin somen gila onanga mi wada alifui. Dandi ngan kondu mi upini live do. Ndeng ande lanko TikTok. Goddo ari yawi ko live am ko dum wullini lan jonno be partage de video ji ko mi wulli don wulli na himbe mi ala wullu de fi ngelo no nanga bari je vais te dire aujourd'hui c'est vrai que si on dit aujourd'hui je n'aime pas Ousmane je suis d'accord parce que là je n'ai plus d'amour en fait c'est comme s'ils ont enlevé ce que je ressentais pour Ousmane l'année fi Ousmane parce que onanana Allah billahi l'année mi nauni do de balde do mi sikki ko cancer nangilan. Donc si tu as vu Ousmane, il va mourir pour que moi je sois en paix. Je veux être en paix. Il y a mes deux enfants qui sont plus chers que n'importe qui. Et nous courons la même ma mère. Mes deux enfants, je les préfère ma mère. Aujourd'hui, tu es ma mère, tu es mes enfants, tu es ma mère. J'ai pleuré, écoute-moi, Barindengande, j'ai pleuré parce que quoi? Je ne veux pas, j'aime bien qu'on me dise, je n'aime pas Ousmane, je ne l'aime pas, wallah, je ne l'aime plus, je l'ai aimé, j'ai tout fait, je me suis sacrifié, mais je ne vais plus aimer Ousmane plus que mes enfants, plus que ma vie. Billahi wallah. Ah, faites-la monter. Kono woniri. Fatou, écoute-moi, Fatou. Ça ne va pas, Fatou. Il n'y a pas de problème. Bon, attends. Non, non, non.
dans la rame de Joseph. Barry. Je suis pas mal, mais écoute, Andy Barry, je vais te dire. En fait, gosse à gosse, go anda, mais Angida Andy. Si à Kati que hunde, en fait, Mironki, Afami. Écoute-moi bien. Tu as vécu l'exemple Allah il nous kotoma yafo. Minko nene ma not duno la. Ben yomi gege, yomi hade, yomi porte toujours munya ya munyo anko amunyo to. E hora ko wadi ma konfon na de mi nga wono la ngalande ko nene u explica ni lang mi armi ji waji wola ma se ke mi wola ma wola ndala yauda pa ya expliki mi andi tai ko se ke ko jonnom woni ma andande est ce que tu comprends no musi tuma tawda nene goto a hada mo jabata tawa wartanto mo epi a e mo mangara ya fala ma ngartir de bawra ko kan ko ala jabude avance de anda fala mo avance nda tawa joni awa gasio avance ta kono ko yo podo yiltite afami hino na andi je n'ai rien à te cacher bari gila 2020 ha heuti do ida andi ko ndu woni hondu hande Ousmane ngelo je vais te dire très bien en fait min j'ai un défaut je pense que c'est un défaut on ne peut pas m'intimider moi Fatou on ne peut pas à 40 ans. Si il pense, écoute-moi très bien. Je sais que là, je vais couper le pont avec beaucoup de gens. Les gens qui vont dire je n'aime pas Ousmane, oui, à partir de là, je ne l'aime plus parce qu'il ne s'aime pas. Même si moi, je n'aimais pas Ousmane, mais si lui, il s'aimait, il allait éviter ce qu'il est en train de vivre. Mais malheureusement, lui-même, il ne s'aime pas. Donc, si moi, je ne l'aime pas, c'est normal. Oui. Ça va, Angouille, les gens, Nalato. Ok. Merci vraiment. S'il vous plaît, il y a mille et quelques jusqu'à présent pour quelques tapotes de l'air.
Thank you.